Mon nom est Sophie Bellerose et je suis propriétaire des Fantaisies de Sophie. Avec les prochaines capsules, je souhaite pouvoir vous partager mes trucs et mes méthodes afin de vous rendre accessible la décoration de gâteaux. Voilà le petit compresseur pour le airbrush. Alors, on a ici le bouton pour mettre en marche. Il vient tout de suite à la plus forte poussée pression d'air. On peut le réduire à médium ou encore plus léger. Sur la partie léger, on va l'utiliser quand on n'est pas très habitué, quand on veut y aller très doucement. Habituellement, c'est le moyen qui va être le plus utilisé. Et puis, le plus fort, la pression la plus haute, va servir quand on veut appliquer de l'or ou de l'argent en poudre qu'on aura dilué avec de l'alcool. On va verser quelques gouttes de colorant dans le petit récipient qui est ici. Quand on veut avoir une couleur plus diffuse, plus légère, on va y aller doucement et puis plus loin. Alors, plus loin de notre surface, on va vraiment avoir une couleur plus douce et plus diffuse. Alors que si je me rapproche, je vais pouvoir faire des lignes de colorant comme ça. Sur un gâteau comme celui-là, on pourrait ajouter des couleurs pour faire un ciel, faire du gazon. Alors, c'est ce qu'on va faire cette fois-ci. Alors, je me tiens assez loin de ma surface pour pas que je mette trop de colorant, que ce soit trop foncé. Alors, je veux un ciel, mais bien tout doux. Alors, pour faire du gazon, par exemple, je vais faire des lignes un petit peu plus petites. Donc, je me rapproche de ma surface pour faire des traits. On peut aussi rapidement colorer des fleurs. Alors, avec un simple jet de couleur, les fleurs qui étaient à l'époque blanches sont maintenant colorées. Les fleurs toutes blanches, on n'est pas obligé de les colorer complètement. On pourrait aussi simplement mettre un peu de couleur au centre. Aussi utiliser des stencils. Là, je le mets sur une feuille de papier simplement pour vous montrer les différentes techniques qu'on pourrait utiliser, mais ça s'utilise très bien sur un gâteau aussi. Alors, par exemple, je pourrais y aller sur toute sa surface, mais je pourrais aussi simplement faire des jets de couleurs comme ceux-là. Et changer de couleur. Un résultat différent.